Hello à tous, bonjour et bienvenue dans le live d'aujourd'hui. Il est un petit peu passé 14h, on a un tout petit peu de retard, mais on va s'en excuser à travers ce Facebook Live. Vous allez voir qu'on va vous proposer énormément de valeur à travers les astuces qu'on va vous donner et les invités qu'il y a aujourd'hui. On a énormément, énormément de chance d'être en présence de deux personnes absolument formidables dans le monde du golf francophone. On a Guillaume Biogeau qui est le directeur PGA France du Vaudreuil et également le directeur de Altus Performance. Et puis on a Benoît Delcambre qui est responsable du fitting en France et qui va apporter toutes ses expertises. On a fait appel à lui aujourd'hui pour vous montrer exactement comment vous pouvez maîtriser vos wedges. Pour ma part, je m'appelle Louis Wallace et je suis également coach de golf professionnel. Et à travers ce live, on va vous livrer nos meilleures astuces en tant que coach. On va vous montrer comment améliorer votre wedging à travers une maîtrise complète de votre contact de balle, vos amplitudes pour gérer les différentes distances. On sait que c'est quelque chose qui est problématique pour beaucoup d'entre vous qui regardent ce live. Et puis, on a fait appel à Benoît et ses expertises à travers le nombre d'années qu'il a pu constater ou en tout cas avoir dans ses séances de fitting des milliers d'amateurs qu'il a pu voir en fitting. Et donc, on va pouvoir bénéficier de ses expertises et on va lui demander justement comment choisir le bon wedge par rapport à notre système de jeu. Donc juste avant d'introduire Guillaume et Benoît, je vous propose de regarder une toute petite vidéo de la part de Titleist qui est... Let's make one thing clear. You don't have to shoot 65 to benefit from a Vokey wedge fitting. You don't have to be an expert in bounces, turf interaction, or grinds. You don't have to sort out your irons or your driver first. You just need to be ready to have a lot more fun with your wedge game. That was great. That was really good there. I look at this a lot. Ah, okay, that was nice. People come here and they get fit and they leave with something completely different than what they thought, and their minds are sort of blown. Yeah, that worked totally differently through the grass. It's all about finding that balance of what you want, but also more importantly, what you need. I like this. Well, that felt pretty good. This is really cool to be able to go through all of them, hit them side by side. Ooh, that was different. The best players in the world are getting fit. The average person, they don't do it. That was such a big difference. Okay, I've got everything I need. The shade means a lot. Fit by the grind. Right, we're all looking for that edge. Good. That's it. This club did something that I've never experienced. All right. That's perfect. Got that one figured out. Selecting wedge bounces that best fit your needs, giving you more shots. That one was perfect. Here are the wedges that chose you. These are gonna help move your game forward. Oh, I love it. Oh, look at that. You need to get fit. It's the most important thing. Alors, hello à tous, Guillaume Biogeau et puis Benoît Delcambre qui est là en direct. Donc on a Guillaume qui est en direct Salut. Du Vaudreuil, Benoît. Bonjour à qui, tous. On respecte bien évidemment, vous regardez ce live et sachez qu'on respecte tous les trois les règles du confinement. Guillaume habite à peu près à une centaine de mètres de là où il se trouve, le studio, donc en extérieur, mais il habite vraiment juste à côté, voilà, il est en train de montrer. Et Benoît qui également respecte la règle du confinement qui est chez lui. Mais le but à travers ces lives, c'est que même de chez vous et même de chez nous, on va vous permettre de progresser au golf à travers ces Facebook Live qu'on propose. Alors, la raison pour laquelle on a montré cette petite vidéo d'introduction, c'est pour en quelque sorte vous montrer l'importance du fitting, non seulement pour vos fers et vos bois, mais aujourd'hui on voit l'importance du fitting pour les wedges. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à Benoît. Benoît, si tu peux te présenter peut-être en quelques secondes et dire exactement tes expertises, qu'est-ce que tu amènes aux amateurs au quotidien. Alors oui, effectivement, merci Lewis, bonjour à tous. Je suis le responsable fitting et formation pour Titleist sur l'Europe du Sud et je suis aussi en charge d'effectuer les fittings au National Fitting Center qui se trouve à Chantilly, qui est malheureusement pour l'instant fermé. Et effectivement, alors on va parler du fitting de wedge. C'est, je dirais avec la balle, je dirais avec le putter, le wedging, c'est les trois équipements qui sont les plus importants dans le sac. C'est les plus importants parce que, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas un driver qui ne soit pas fitté, une série de fers qui ne soit pas fitté, mais les clubs et les équipements qu'on va utiliser le plus, c'est la balle, c'est le putter et c'est les wedges. D'où vraiment cette importance à avoir un set de wedges, que ce soit un seul wedge, que ce soit deux, trois, quatre wedges même,
À chacun des wedges du set doit être parfaitement adapté et parfaitement fité en fonction de l'utilisation de chacun de ces wedges. Super. Et Guillaume Biogeau, directeur du Golf PGA France du Vaudreuil, tu es là dans ton centre de performance à quelques mètres de chez toi. Parle-nous un petit peu du wedging, Guillaume. Wedging, bien évidemment, bonjour à tous avant tout. Ravi de pouvoir faire ce live tous les trois ensemble. Je pense que le wedging est quelque chose de archi primordial. Le fitting fait partie des choses qui ont été pendant longtemps, le fitting de wedge, pardon, pendant longtemps un peu mis de côté. Aujourd'hui, on se rend compte à quel point c'est important, que ça soit au niveau, comme va nous l'expliquer Benoît, des lofts, ce qu'on appelle le grind, du bounce, mais il y a aussi maintenant les charts. Vous pouvez constater que nous, ici, on a la chance d'avoir ce sac ici qui nous permet d'avoir énormément de lofts. On a un nombre de choix de charts aujourd'hui qui est très important. Et bien évidemment, toutes les têtes qui vont avec le bounce, ce que je disais, le golf qui est en dessous du sandwich. Pour la performance, le wedging aujourd'hui est quelque chose de primordial. Les gens tapent de plus en plus fort, donc on a de plus en plus de wedge, et on doit être performant dans tous les compartiments du jeu. Donc pour le haut niveau, c'est important, mais pour les amateurs qui nous regardent aussi, c'est primordial. À chaque fois que vous loupez un green, malheureusement, si vous avez cette capacité avec vos wedges d'être beaucoup plus performant, d'être plus proche des drapeaux, vos scores baisseront automatiquement. Donc le wedging est très important, le fitting est très important et la manière de s'entraîner est très importante. Donc ce qui va être génial aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire avec Lewis et Benoît qui est avec nous, c'est dans un premier temps votre équipement, dans un deuxième temps la technique et dans un troisième temps l'entraînement. Pour que vous puissiez, pardon, dans une heure, partir d'ici en disant, OK, le wedging, je connais un peu mieux, je gère un peu mieux et dans, on espère, quelques semaines, quand vous retournerez sur vos parcours, vous serez performant. Ouais, super Guillaume. Donc ouais, on a un super programme devant nous. Alors, parlons à l'amateur qui nous regarde. Le Sam Wedge, combien est-ce qu'on doit en avoir dans notre sac? Aujourd'hui, voilà, on voit des joueurs professionnels, il y en a qui en ont deux, il y en a qui en ont quatre. Ça a beaucoup évolué, Benoît, depuis ces 10, 15, 20 dernières années. On peut maintenant complètement customiser le Wedge par rapport au parcours qu'on est en train de jouer, par rapport à ce qu'on veut faire avec nos différentes distances qu'on veut maîtriser. Parlons un petit peu de ces différents wedges, les différentes options qui s'ouvrent aux amateurs aujourd'hui et comment ils doivent les sélectionner. Alors, le wedge fitting, c'est la première chose qui est importante à vérifier, c'est la première chose, c'est le loft du pitching wedge. Le loft du pitching wedge aujourd'hui, des séries comme la Titleist T200, où on a un pitching wedge qui est à 43 degrés, et je vais prendre l'exemple de la CB qui a un pitch à 47 degrés, on a déjà un écart pour un même club qui est assez important. Du coup, en fonction de ce pitching wedge, la première étape du fitting de wedge, ça va être de maîtriser un petit peu ces chiffres. Ces chiffres, ça va être, si on a un pitch qui est, on va prendre l'exemple du pitch à 46 degrés, pour avoir un set de wedge et pouvoir contrôler ses distances facilement, un wedge en 46 degrés, ça va nécessiter, si on a la place pour uniquement deux wedges, un 52 et un 58. Et là, on va avoir 6 degrés d'écart entre chacun des wedges. Donc ça, c'est le maximum pour éviter qu'on ait trop de grandes différences entre chacun des wedges. Il ne va pas falloir dépasser plus de 6 degrés d'écart entre chacun des wedges. Et souvent, les pros sur le circuit sont à combien de degrés de différence? Parce que tu dis 6 degrés, et combien de degrés les joueurs au plus haut niveau? En général, pour parcourir un maximum de distance et avoir tous les outils dans le sac, on est entre 4 et 5 degrés de différence entre chacun des wedges. Ce qui veut dire que si dans notre série, on a un pitching wedge qui a 46 degrés, que l'on a la place pour ajouter 3 wedges dans le sac, on pourra partir sur 50, 54 et 58 pour avoir vraiment un maximum d'options autour du green et surtout pour réagir à n'importe quelle situation. Quand on va malheureusement rater un green, on va devoir avoir un wedge dans les mains. Que ce soit un 50 ou un 54 ou un 58, il faut que le wedge puisse réagir à cette situation. Et c'est là où le fitting est important finalement, Benoît, parce que beaucoup de joueurs amateurs aujourd'hui, automatiquement, ils vont vers le 100 wedge généraliste, qui est le 56 degrés, ou le 52, tu vois, c'est souvent les 200 wedges qu'on voit dans la majorité du temps dans le sac. Mais comme tu le dis, en fait, il ne faut pas juste prendre le 100 wedge parce qu'on l'a vu dans un magasin comme ça, et juste prendre le 56 ou le 52 parce que le copain, il a les mêmes degrés, mais c'est de comprendre déjà la série de fer, combien de loft à mon pitching wedge, parce que tous les pitching wedges sur différentes séries n'ont pas forcément le même degré,
Et donc, quand on a 46 degrés sur le pitching wedge, déjà, peut-être que le 52 degrés, c'est peut-être trop d'écart entre le pitching wedge et on va se retrouver avec un différentiel assez important quand on a une distance entre les deux, entre le pitching wedge et le sand wedge. On va avoir peut-être une distance un peu trop importante à gérer. Alors, effectivement, si, après, tout dépend aussi le nombre de clubs qu'on a dans le sac, parce que si on a un pitch en 46 degrés et qu'on n'a que la place pour avoir que deux wedges dans le sac, Oui. La solution la plus optimale sera le 52, comme ça on ne dépassera pas les 6 degrés maximum, et ensuite pour avoir aussi 6 degrés à côté, le 58 pour vraiment avoir un wedge qui permet d'avoir un loft relativement ouvert et de réagir autour du green. En revanche, si on a la place pour mettre 3 wedges dans le sac, là on peut, et ce que je conseille en général à beaucoup de nos amateurs, c'est de rajouter une option autour du green. C'est-à-dire que plus on a d'options, plus on a d'outils autour du green, plus on pourra réagir facilement à une situation quand on sera autour d'un green, dans un bunker, pour se rapprocher le plus rapidement, le plus proche du drapeau. Et Guillaume, c'est là où je voudrais avoir ton avis en tant que coach expert. Tu as beaucoup de joueurs dans ton académie au Vaudreuil, les membres amateurs qui peuvent varier de tous les niveaux. Et puis tu as également une académie de haute performance avec des joueurs qui souhaitent devenir professionnels. Et pour mon cas, Guillaume, et je vais voir si tu fais pareil avec tes joueurs, mais moi je regarde vraiment mon sac, je l'analyse et je regarde combien de fois est-ce que je tape chaque club dans mon sac, l'utilité de chaque club. Et en ayant une conversation avec Benoît il y a quelques semaines quand on s'est vu, parce qu'on va faire un fitting prochainement ensemble, j'ai décidé d'enlever le bois 3 de mon sac parce que j'ai constaté que je l'utilisais très très peu parce qu'aujourd'hui, avec la distance qu'on arrive à effectuer avec les drivers, avec les hybrides, j'ai réalisé finalement que la majorité des par 5 auxquels j'utilisais mon bois 3, qu'aujourd'hui, je peux atteindre la majorité des par 5 avec un driver et un hybride, ou même des fois un long fer. Donc du coup, ce qui m'offre la possibilité d'enlever mon bois 3 du sac et de rajouter un wedge parce que je me retrouve souvent à moins de 100 mètres, que ce soit sur les par 4 parce que j'ai dû recentrer un coup que j'ai balancé dans la forêt, ce qui m'arrive très souvent avec mon driving. Ou parce que tu as tapé très fort et que tu es très proche du green. Ou les par 5 où je me retrouve très 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 proche du green. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'analyse, on doit être intelligent quand on regarde son sac et pas simplement mettre n'importe quoi dedans, mais vraiment comprendre qu'est-ce qu'on doit mettre dans notre sac pour pouvoir optimiser nos performances, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a deux choses et qu'effectivement, le niveau des joueurs va faire que les sacs vont être extrêmement différents. Et chez les joueurs, effectivement, de très bon niveau, ils ont depuis, je dirais, des années déjà deux wedges en plus du pitch. Donc un pitch, on va dire un 52 et un 58 en général. Et c'est en train d'évoluer, comme tu le disais, vers des gens qui ont un 40, un 45, un 50, un 55, un 60. Je viens de voir le message de Damien Perrier, bien évidemment, excellent joueur, qui lui a un 45, un 50, un 55, et il pourrait peut-être même aller jusqu'à un 60. Donc les joueurs, effectivement, aujourd'hui, les très bons joueurs augmentent le nombre de wedges qu'ils ont dans le sac parce qu'ils savent l'utilité et l'importance que ça a pour le scoring. Maintenant, chez les joueurs amateurs, on a déjà, je pense, avec tout le respect qu'on a pour eux, bien évidemment, beaucoup de mal à ce qu'ils aient déjà deux wedges dans le sac. En général, les gens ont un pitching wedge qui, sur les nouvelles séries, Benoît, tu m'arrêtes si je me trompe, mais en général, sont plus fermés qu'avant et vont vers un 56 degrés. Donc, de temps en temps, le joueur amateur a déjà, on va dire, un 44 et un 56. Il a 12 degrés d'écart. Et on a parfois du mal, mais ça commence à rentrer de plus en plus dans les mœurs du golfeur, de leur faire accepter qu'il y a un sand wedge entre les deux et un wedge et de retirer, que ce soit un rescue, que ce soit un club effectivement plutôt haut dans le sac. De temps en temps, ils ont par exemple un rescue et un wedge qui sont très proches au niveau de la distance. Et je les encourage souvent à retirer un de ces deux clubs, de voir avec lequel de ces deux clubs ils sont le plus performants, de retirer l'autre et de rajouter un club entre le pitch et le sandwich. Donc on est vraiment sur, pour l'instant, deux mondes différents parce que les gens ont des besoins différents. D'un côté, les pros qui doivent être hyper précis et avoir tous les outils autour du green pour être performants, et les joueurs amateurs qui ont beaucoup d'outils pour aller loin, mais peu d'outils pour être précis. Donc c'est cet équilibre, à mon avis, qui est très important à retrouver. J'espère que les gens qui nous écouteront aujourd'hui vont prendre conscience de l'importance d'avoir plusieurs wedges dans le sac. Wow. Ouais, ça ouvre les yeux finalement sur quand tu parlais de trop de degrés de différence. C'est là où ça cause problématique parce que tu sais, Guillaume, et nous on le sait, on le voit au quotidien quand on voit les joueurs amateurs qui ont des problématiques à gérer différentes distances. Donc on va leur donner des astuces pour mieux gérer les distances. Mais pour le coup, quand je me retrouve avec un joueur qui a un wedge dans la main, peut-être deux si j'ai la chance d'avoir un amateur qui a deux wedges dans le sac,
je m'en considère comme un coach déjà assez satisfait, mais même avec deux wedges, on retrouve souvent le joueur, quand il y a trop de degrés de différence entre les wedges, avoir beaucoup de mal à gérer des distances assez complexes. Donc par exemple, si un joueur effectue un plein coup de 56 degrés et qu'il arrive à effectuer une distance à 80 mètres, quand je demande à ce joueur de taper à 70 mètres ou 60 mètres ou à vice-versa de taper un peu plus loin, là, il est vraiment embêté. Il se trouve dans une situation très compliquée et puis il essaye de manipuler le club. Et c'est là où souvent, il y a des variabilités qui se créent dans le swing dont on n'a même pas besoin d'avoir si on pouvait simplement comprendre déjà les clubs qu'on doit mettre dans notre sac pour nous permettre d'avoir le plus de facilité possible à gérer différentes distances. D'avoir des bons outils. Et Lewis, je vais rajouter une petite chose et rebondir aussi sur cet écart de loft. On estime qu'on doit avoir des lofts compris entre 4 et 6 degrés de différence pour chacun des lofts parce que, justement, comme tu disais, entre 4 et 6 degrés, si on est dans cette échelle de loft, on va pouvoir aussi générer pour chacun des wedges 10 à 13 mètres de différence sur chacun des wedges. Bien entendu, si on est en dessous de 4, de 4 degrés de différence, ben on va avoir trop peu de différence en termes de distance. Et si on est au-delà de 6 degrés, forcément, on aura aussi un écart de distance entre chacun des wedges qui va être beaucoup trop important. Alors, j'ai une question là, de la part de Damien Perrier, donc joueur professionnel qui évolue à très haut niveau, que tu connais bien, Benoît, qui dit… Oui, tout à fait. Vous avez le frère, hein, Mathieu, tout à fait. Qui est dans la famille Techless. Mais la question de Damien est, quel serait l'intérêt réel de jouer mon 45 degrés plutôt que mon pitching wedge de série? Davantage de précision par le profil affiné. Cette question, elle m'intéresse parce qu'effectivement, moi aussi, j'avais à l'époque un 100 wedge. Alors moi, je l'avais en 48 degrés. Et je m'étais vraiment posé la question entre le pitching wedge de ma série ou un 100 wedge 48. Quelle est la différence, Benoît, finalement? Alors, elle est relativement simple. On va avoir les deux cas de figure où, encore une fois, je vais reprendre l'exemple du 46 degrés dans mon sac de golf, qui est le loft 46 degrés. On va pouvoir avoir le pitching wedge de la série, qui peut être pour une T100 en 46 degrés, mais on va pouvoir aussi avoir dans les wedges un wedge en 46 degrés. Et la différence, c'est que si d'un point de vue visuel, on n'est plus d'un point de vue feeling, on est plus on apprécie un petit peu plus le toucher du forgé, là effectivement le pitch de la série pourra être aussi plus recommandé. En revanche, si là on va rechercher un petit peu plus de contrôle, un petit peu plus de spin, un petit peu plus de réactivité sur les greens, il est vrai que le 46 degrés en wedge sera plus recommandé parce que avec toute la technologie des stries supplémentaires, des stries qui sont vraiment usinées pour générer plus de spin, on sera amené à préconiser plus facilement le wedge 46 degrés pour avoir un maximum de contrôle. On va là peut-être mettre un peu de côté le côté feeling, mais en revanche, on aura un contrôle extrêmement important autour des greens avec la technologie sur les wedges en 46 degrés ou 48 degrés correspondent aujourd'hui à des pitching wedges. Alors Benoît, j'ai une question. Voilà, c'est juste pour montrer la différence effectivement un 46 ou un 48 entre un club de série sur un MB et sur un 46. Un SM8, et on voit effectivement que le SM8 va correspondre complètement à, je dirais, au prolongement d'un 56, 58, 50, et ça plutôt un wedge de série, je dirais, plus classique. J'ai permis de montrer, c'était juste une petite anecdote pour Damien Perrier qui attend son 60K. Nous, on en a un ici. On va être avec plaisir, mais ça n'arrivera pas plus. C'est pas bien de faire ça. Moi, j'ai une dernière question à te poser sur la différence entre le pitching wedge de la série et le 48 degrés. Je veux te poser cette question parce que moi, à l'époque, quand j'avais un 48 degrés, j'ai constaté, alors je ne sais pas si c'est une question bête, mais je tapais mon pitching wedge de série alors que c'était le même degré, hein, c'était un 48 degrés. Je tapais mon pitching wedge de série plus loin que mon 100 wedge 48 degrés, le 100 wedge dédié. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois souvent ou est-ce que c'est normal? Comment tu l'expliques, hein? Alors, on peut l'expliquer en général par une chose, c'est le shaft. Quand on achète un sand wedge dans un magasin, quand on achète façon standard,
Le shaft qui est aussi monté sur le wedge en 46 ou en 48 degrés est un shaft qui est un Dynamic Gold S200, donc qui est un shaft en stiff assez lourd. Sur la série, si tu as été fitté sur la série, tu as ton propre lie, ton propre shaft adapté à ta vitesse. Donc, si justement le shaft aussi n'a pas été fitté sur les wedges, il se peut que tu aies cette différence de distance entre le wedge de ta série qui est en 48 degrés, qui a été fitté en même temps que la série, et un wedge classique 48 degrés qui n'a pas été fitté avec le bon shaft que tu as sur ta série. Donc ça déjà, cette différence de shaft peut générer une différence de distance. Alors, c'est quelques mètres, mais on sait très bien que sur cette distance-là, quelques mètres, ça fait une énorme différence. On peut se retrouver à 1 mètre du drapeau, comme on peut se retrouver à 2, 3 mètres ou derrière un green, par exemple. Alors Guillaume, t'as une question à poser à Benoît ou quelque chose à rajouter? Ouais. J'ai plein de questions à poser à Benoît. La première question, enfin, des questions pour qu'il éclaircisse un petit peu les gens qui nous regardent. Est-ce que, là, dans les 5-6 minutes qui nous restent au niveau du fitting, est-ce que tu peux nous expliquer les shafts? Je pense que c'est peut-être dans un deuxième temps. On sait que, en tout cas pour moi, qui fait un peu de fitting ici, l'objectif est clairement, en tout cas pour la personne qui s'occupe du fitting chez nous, l'objectif est vraiment d'avoir une continuité au niveau des shafts et que les sandwichs aujourd'hui aient les mêmes shafts que la série. Donc ça, c'est la première des choses. Mais je pense que surtout, ce qui m'intéresse, c'est que tu rentres un tout petit peu plus en détail, si tu peux, sur, pardon, je regarde ici parce que je regarde mon écran, que tu puisses éclairer notre audience sur les différents bounces. Qu'est-ce que le bounce? Quelle est l'utilité du bounce? C'est les différents grind, c'est la forme de la semaine. Est-ce que en 5-6 minutes, est-ce que tu pourrais éclaircir un petit peu notre public qui souvent, je ne sais pas pour toi, Lewis, mais pour moi énormément, nous disent, bon, quel bounce il faut que j'utilise? Il y a différentes semelles, par exemple, la SM8 aujourd'hui, ça va de la F, de la S, en tout cas, il y a plein de choix. Et l'idéal serait que tu puisses aider notre audience à choisir de manière facile, même si bien évidemment l'objectif est de venir faire dans n'importe quel centre de fitting aujourd'hui un fitting. Mais est-ce que tu peux les éclaircir tout simplement sur bounce et grind? Alors, je vais commencer par une petite chose que notre ami Bob Vauquy aime dire, c'est que le bounce est notre ami. Ça, c'est vraiment une première chose qui est importante. Il ne faut pas avoir peur du bounce. Et effectivement, comme on peut le voir dans les séries Vauquy, on a 6 semelles différentes qui sont chacune d'entre elles liées à un bounce. Et ce bounce, donc le bounce qui est, si je prends un wedge juste ici, je ne sais pas si on voit bien, c'est vraiment le rebond qu'on va avoir sous la semelle. On va, en fonction des personnes durant un fitting, chacun, si on prend l'exemple encore une fois de la personne qui a 50, 54, 58, on va avoir probablement aussi 3 bounces différents et surtout 3 semelles différentes. Je vais commencer par les semelles. On a différentes semelles. On a 6 semelles avec la semelle L, la semelle M, la semelle F, S, D et K. Est-ce que vous voulez qu'on rentre dans le détail pour justement déterminer la différence entre chacune des semelles? Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Ouais, si tu peux généraliser peut-être, Benoît, pour pas que, parce que sinon c'est vrai qu'on peut y passer énormément de temps et c'est top, mais peut-être en quelques minutes, effectivement, si tu peux, ça serait top. Alors effectivement, là, la semelle L, M et la semelle D, c'est des semelles qui sont très arquées sur leur semelle. Ce qui veut dire, là, quand je parle de la semelle arquée, ça va être une semelle qui va être très très courbée. Ça, cette semelle-là, L, M ou D, va être recommandée pour les golfeurs qui utilisent beaucoup l'ouverture de la face sur leur sandwich. Donc, ils jouent vraiment beaucoup avec l'ouverture de la face. La semelle S, ça va être plutôt être pour les golfeurs, c'est-à-dire les pitching wedge, les gap wedge, parce qu'elle est très plate et elle va être dans le prolongement des semelles de la série que l'on a dans le sac. Et la semelle K, c'est une semelle qui est très très large, très très importante au niveau du bounce, et ça va être un excellent club si on joue uniquement son wedge uniquement dans un bunker, par exemple. En fonction de tout ça, effectivement, on va faire passer le golfeur en fitting sur une plaque de frappe avec un sticker.
Et en fonction de la trace, plus la trace va être en bas du sticker, plus ça veut dire que le golfeur a un angle d'attaque relativement important, ce qui veut dire qu'il va faire des divots très importants. Donc, cette personne-là, il va lui falloir un bounce un peu plus important pour réagir justement à un angle d'attaque relativement important. À l'inverse, un golfeur qui va avoir des traces sur le sticker vraiment en haut, du sticker, lui, c'est quelqu'un qui va vraiment cueillir la balle. Donc, il va lui falloir peu de bounce pour que ça puisse réagir à sa façon de swinger. Et ça, on va faire ça sur chacun des trois wedges, le 50, le 54 et le 58. Et on va justement analyser où se trouvent les traces d'impact et déterminer laquelle semelle est la plus adaptée pour ce golfeur. Ça, c'est top. Est-ce que pour résumer, pour faire simple, et je vais utiliser mon cas personnel parce que pour une fois, je trouve que c'est intéressant. Moi, j'ai tendance à avoir un angle d'attaque qui est descendant, je fais des niveaux importants, trop importants à mon goût, mais en tout cas, je fais des niveaux importants, et j'adore ouvrir ma phase de club au départ. Donc, pourquoi moi, j'utilise ce club, c'est-à-dire le 58-12D, tout simplement parce que, comme le disait Benoît, la forme de la face est biseautée, donc je vais pouvoir facilement ouvrir ma phase de club sans pour autant avoir une gêne à l'adresse. Et en même temps, j'ai un bounce de 12 qui va permettre à mon club de très facilement ressortir du sol quand mon angle d'attaque sera trop descendant. Donc pour moi, par exemple, par rapport à mes caractéristiques qui sont un angle d'attaque trop descendant, mais le fait d'apprécier d'ouvrir la face de club à l'adresse, je pense que pour moi, l'idéal est donc une semelle D qui est biseautée, mais avec pas mal de bounce. Effectivement, c'est parfaitement le club qui te faudrait. En tout cas, donc, voilà pour le 58. Donc voilà comment nous, les fittings, on les fait. On les fait de manière extrêmement simple. On les fait par les données qu'on prend. Si on n'a pas forcément un outil comme le TrackMan qui permet de mesurer l'angle d'attaque, bah, tout simplement sur l'air, qui est amplement suffisant. On voit par rapport à la profondeur du niveau comment les gens fonctionnent. En fonction de ça, on choisit le bounce. C'est par rapport à leur préférence à eux d'ouvrir la face ou de la garder square, on va aller chercher aussi les différents grinds pour être sûr d'avoir quelque chose que les gens apprécient. Quand ils ont en main, ils se sentent à l'aise et en même temps, qui correspondent, je dirais, à leur manière de fonctionner. Une dernière chose, Lewis et Guillaume, c'est au niveau du lie. C'est une chose qui est extrêmement importante. On le voit souvent sur les fers, mais c'est une chose qui est d'autant plus importante sur chacun des sandwedges parce que effectivement, dans un bunker, on a aussi les mains un petit peu plus basses. Quand on va faire des coups un peu spécifiques, on va avoir aussi peut-être les mains un peu plus basses. Donc, en général, ce qu'on remarque aussi durant les fittings, c'est que le lie des wedges par rapport à celui de la série est en général un petit peu plus flat. Ce qui veut dire qu'une personne qui est standard sur sa série, elle peut être 1 degré ou 2 degrés sur le 50. Sur le 54, pareil, et peut-être un petit peu plus flat encore sur le wedge le plus ouvert, comme le 58. Je rebondis là-dessus. Je suis pas d'accord. Je suis au-delà de d'accord. Pour moi, les clubs du sac qui sont les plus importants à fitter au niveau du lie sont sans aucune comparaison avec le reste, les wedges. Les wedges, c'est primordial. Étant donné qu'il y a plus de loft, le lie a encore plus d'importance. Si le lie n'est pas bon sur vos wedges, c'est vraiment une grosse problématique. Donc, le lie des wedges est pour moi ce qu'il y a de plus important dans tout le fitting de wedge. En un, c'est le lie, en tout cas pour moi. Alors les gars, ça c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Là, j'ai les oreilles grandes ouvertes. Je suis en train d'écouter toutes les infos parce que j'en apprends aussi en même temps à travers les différentes choses que vous êtes en train de partager. Donc, c'est absolument fantastique. La question qu'on me pose aussi souvent, Benoît, et juste avant que tu répondes, on va peut-être y répondre à travers des vidéos que vous proposez finalement, des vidéos éducation. Et c'est là où je vais partager la vidéo sur finalement, Lewis, combien de fois est-ce que je dois changer ou quand est-ce que je dois changer mes wedges? C'est la question qui revient assez fréquemment. Et donc, je vous propose de regarder une petite vidéo tournée pour vous montrer en fait des tests qui ont été faits par des experts en fitting et qui en fait on vous montre à travers le nombre de fois où a utilisé un sand wedge, qu'est-ce qui se passe finalement à partir d'un certain nombre de on dit en anglais rounds, de parcours. De tours joués. Ouais, de tours joués. Voici la petite vidéo très intéressante.
We're here at the Manchester Lane test facility to measure three different levels of groove wear on SM6 wedges. The reason we're here is one, they have a 100-yard green that's perfectly flat. And two, they have a wedge robot. It hits wedges over and over again with exacting precision. It creates an enormous opportunity to really dive into new research and really find out exactly how to make wedges better. It allows us to land the ball and measure rollout to precise distances so we can figure out exactly at what point golfers need to think about hitting new wedges because their grooves are worn out. I play with four Vokey wedges and I change my 60 degree every few tournaments. The rest of the wedges I switch maybe every couple months. Every golfer on a daily basis doesn't need to be switching their wedges out that often, but we do need to provide them a benchmark of when they need to start investigating their wedges and when they should consider switching them out. We're going to measure 125 rounds of play, 75 rounds of play, and fresh grooves. This is the 125 rounds of play wedge. What we saw on the 125 rounds of play head, 35 degrees of launch angle and 6,500 RPMs. And that calculated to about 24 feet of stopping power. The second wedge we tested was 75 rounds of play. The 75 round wedge at 34 degrees of launch and about 7,700 RPMs of spin. And that calculated out to about 18 feet of stopping power. Now we've got the machine set up with fresh grooves. Let's see what happens. 33 degrees of launch, 8,500 RPM. A little bit less launch angle, but a lot more spin. We went all the way down from 24 feet of rollout to 10 feet of rollout. Once you get to about 75 rounds of play, you're gonna start to lose spin, and it's really time to start considering a new set of wedges with fresh grooves. By having a fresh set of grooves, the average golfer is gonna have more control, more confidence, and in the end, hit the ball closer to the hole. Ok, alors on est en retour avec Benoît. Donc cette vidéo, elle est hyper bonne parce que finalement, ça nous montre, et c'est vrai que c'est la question, Guillaume, je suppose que toi aussi, mais les amateurs, souvent, ils nous posent la question, Lewis, Guillaume, combien de fois est-ce que je dois changer mes wedges? Les pros, on voit qu'ils les changent pratiquement toutes les 2-3 semaines sur le circuit. On a vu Jordan Spieth qui dit qu'il les change vraiment très fréquemment, mais les amateurs qui peut-être jouent en moyenne une à deux fois par semaine, combien de fois et pourquoi est-ce que c'est bénéfique de changer justement les wedges? Alors, tu parles de l'amateur qui joue deux, trois fois par semaine, et ça, c'est une fréquence qui est relativement importante. C'est déjà plutôt pas mal. À la différence d'une personne qui va jouer une fois par mois, par exemple, ses wedges, forcément, vont durer beaucoup plus dans le temps. La personne qui va jouer fréquemment une ou deux fois par semaine, il se trouve qu'au bout de 75 parcours, les stries vont commencer à perdre de leur performance parce qu'elles vont fuser de façon assez importante. Donc, notre recommandation, c'est oui, de changer si on veut garder la plus grande performance dans ces sandwiches, dans le contrôle, dans un effet maximum, c'est de les changer tous les 75 parcours. En revanche, c'est pas parce qu'on continue à l'utiliser au-delà de 75 parcours qu'on va perdre toute la performance. Peut-être qu'il y aura besoin de plus d'intensité pour faire exactement le même coup, pour qu'elle s'arrête à la même distance. Mais ça, on peut toujours continuer à les utiliser. Mais pour avoir cette performance maximum sur le spin et sur le contrôle, tous les 75 parcours, c'est la recommandation que l'on peut faire. C'est, les vidéos comme ça, Benoît, elles sont top parce que ça pousse pas forcément à la consommation. Ce que je veux dire par là, c'est que les amateurs vont se dire, on va essayer encore tous les ans. Le but, c'est de dire, 75 parcours, c'est quand même considérable. C'est un chiffre assez important. Vos wedges ont une durée de vie très importante et on garde la qualité du sand wedge. Et ce qui va diminuer après, ça va être finalement, c'est le spin, comme on a vu dans la vidéo éducation. C'est qu'au-delà de 75 parcours, on commence à avoir moins de spin, donc du coup moins de contrôle quand la balle arrive sur le green. Et c'est à ce moment-là où il faut commencer à se poser des questions. Exactement. Le sand wedge qu'on va le plus utiliser dans le sac, que ce soit un 56, un 58 ou un 54, on va l'utiliser
sur dans un rough, on va l'utiliser de temps en temps sur un petit peu de gravier, on va l'utiliser dans un bunker où il y a du sable. Donc bah, ce sandwich qu'on va utiliser relativement souvent, on va s'entraîner avec, bah, forcément il va s'user. Et si on veut pas changer tout son set de wedge, au moins changer régulièrement le wedge qu'on utilise le plus dans le sac, parce qu'on va avoir aussi beaucoup plus de contrôle quand on aura un sandwich neuf avec des stries totalement, totalement neufs pour générer un maximum de contrôle et de spin. Ouais, je rebondis là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec ça sur effectivement le club qui va avoir le plus s'abîmer rapidement, va être le club le plus ouvert du sac, qu'on va utiliser énormément dans le bunker. On sait que ce qui produit aujourd'hui le spin, c'est en grande partie c'est la friction entre le club et la balle. Et si le club est effectivement altéré par l'usage, je dirais, la friction va être moins importante. Deuxième chose aussi, ces 75 tours sont un bon repère. Il faut quand même garder en tête que ça va énormément dépendre aussi de l'entraînement que l'on a quand on est un joueur professionnel et qu'on passe beaucoup de temps autour des grilles, beaucoup de temps dans les bunkers principalement. On sait que les bunkers sont la première source, je dirais, de l'usage et le fait d'abîmer les bunkers, d'abîmer les sandwichs, pardon, vont être avant tout dus à l'entraînement dans les bunkers. Donc je pense que la quantité d'entraînement affecte aussi ce chiffre de 75 tours. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les amateurs ne s'entraînent pas beaucoup dans un bunker. Donc, mais clairement, tu as soulevé un super point là, Guillaume. C'est l'entraînement, évidemment. La fréquence. On va le prendre en jeu. Alors, messieurs, on a parlé de tellement de choses intéressantes. On a parlé de comment identifier le bounce. On a parlé du grind. On a parlé du durée de vie du sandwich. De l'importance d'avoir différents lofts dans le sac, mais qui ne soient pas trop importants. Voilà, on a parlé vraiment de choses hyper intéressantes concernant tout l'aspect choisir le bon wedge, combien de temps mon wedge il va durer et surtout comment l'utiliser dans les différentes situations. Maintenant, la question qu'on nous pose souvent, Guillaume, c'est Lewis, Guillaume, comment est-ce que je dois faire pour maîtriser mes différentes distances et comment je peux faire du spin, ou les amateurs appellent ça du backspin, comment est-ce que je peux faire du backspin comme les pros que je vois à la télé. Et c'est là où on va rentrer un peu plus dans l'aspect technique du Facebook Live, Guillaume, et on va proposer aux joueurs amateurs, maintenant qu'ils ont le choix du bon sandwich, ils comprennent l'importance de faire un fitting, maintenant on doit leur apprendre à utiliser correctement ce sandwich. Alors Guillaume, je te laisse la parole et je te laisse démarrer. Sur le spin ? Sur le spin, on va démarrer sur le spin, parce que tu sais que les amateurs ils veulent du spin, tu le sais ça. je le sais bien et je pense que tous les gens qui nous écoutent aimeraient savoir. La première des choses, on vient d'en parler depuis quasiment 40 minutes, c'est l'équipement. C'est avant tout d'avoir des streamers et d'avoir une balle qui va générer plus qu'une autre du spin. Donc déjà l'équipement est prioritaire. Une nouvelle stree, balle en bon état, qui va donner plus de spin qu'une autre. Donc des balles de, entre guillemets, grande qualité, peut-être un peu plus chères certes, mais en tout cas les balles utilisées par les joueurs professionnels en général. Deuxième chose, ce qui crée le spin, et ça c'est très important, c'est la friction entre le club et la balle. C'est ça qui va générer le backspin, c'est cette friction-là. Donc les choses qui sont extrêmement importantes sont aussi les conditions de jeu. Si vous êtes dans le rough, il est absolument impossible, en tout cas impossible, non, mais vous allez générer forcément moins de spin. Pourquoi ? On a laissé un petit peu d'herbe volontairement ce matin ici. Si vous avez beaucoup d'herbe qui vient interagir entre la face de club et la balle, naturellement, le spin sera altéré et la balle aura moins de spin. Donc c'est la première des choses. Il faut vous générer le plus de spin possible quand vous aurez le moins d'interaction. On voit que sur un tapis, par exemple, en général, on arrive à générer beaucoup de spin parce que la balle et le club rentrent en interaction hyper facilement sans que rien vienne altérer. Donc ça, très important. Dernière chose aussi, si vous jouez en Angleterre l'été quand les greens sont extrêmement fermes, ça sera beaucoup plus dur aussi d'arrêter la balle rapidement que si vous êtes fin d'hiver sur des greens qui sont un peu plus mous. Donc toutes ces conditions sont très importantes. Ensuite, pour la mécanique, on a quelques vidéos avec Lewis qu'on va passer pour vous expliquer quelle est la bonne mécanique sur ce genre de coup. Et donc cette bonne mécanique, très, je dirais, mécaniquement vous permettra là aussi de gérer du spin. Gardez en tête que la première chose,
c'est d'avoir un équipement. Et on n'est pas du tout là pour vendre quoi que ce soit, on est juste là pour être vraiment réel. Si vous jouez une balle très dure et que vous avez un sandwich qui a des années, que vous venez du rough et que le green est ferme, ne soyez pas à mettre de box. Pas si j'ai bien résumé, si... Ouais, ouais, c'est top. Et tu vois, là, franchement, au niveau de... C'est vrai que, le... évidemment, on le dit souvent, c'est... en fait, on passe par un ordre chronologique des choses. Quand on veut faire du spin, s'assurer qu'on a une balle premium, s'assurer que la tête de club est vraiment propre, de passer un petit coup de serviette juste avant de taper la balle quand on est sur le parcours. C'est important. Bien sûr, de pas avoir absolument. De... très important de ne pas avoir de friction entre la tête de club et la balle. Donc, si vous vous retrouvez déjà dans une position où la balle est dans un rough ou dans un mauvais lie, là, le spin, il faut commencer à enlever peut-être ou être un peu moins exigeant et comprendre que la réalité des choses fait que vous aurez moins de spin dans des situations. Donc, d'abord, analyser la situation et comprendre à quel moment vous pouvez produire du spin. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas de friction entre la tête de club et la balle, vous avez une bonne balle premium et que la balle n'a pas de terre aussi dessus, parce que si vous avez un petit peu de terre sur la balle quand vous êtes sur le parcours, ce qui peut être le cas, c'est pour ça que c'est important de mettre un petit coup juste avant d'entamer votre trou. Vous verrez souvent les pros donner la balle au caddie et mettre un petit coup. C'est pas pour rien qu'ils font ça, c'est parce que moins il y a de friction sur la balle, moins il y aura d'effet ou en tout cas plus on va pouvoir faire du spin. Donc très important d'avoir ces éléments et de pouvoir analyser la situation. Ensuite, contact de balle, créer suffisamment de vitesse à l'impact aussi. Plus vous allez créer de vitesse, plus vous allez créer du spin avec un bon contact de balle, le bon divo. Et c'est là où Guillaume, je vais laisser Guillaume faire une petite démonstration parce que du coup, on va vraiment profiter du fait qu'il est en action, il est là au Vaudreuil. Mais pour le coup, beaucoup d'amateurs, ce qui se passe, c'est que quand ils ont une distance intermédiaire et ils ont, on va dire, s'ils effectuent un plein coup de wedge à 80 mètres et qu'on leur demande de faire 60 mètres, beaucoup d'amateurs, qu'est-ce qu'ils font dans le downswing? Ils freinent. Ou en tout cas, ils ralentissent le downswing en se disant, je vais ralentir le downswing, je vais produire moins de distance, la balle va aller moins loin. Mais non seulement vous allez avoir des problématiques au niveau du contact de balle, parce que dès qu'on est dans une dynamique où on commence à moins utiliser le corps, que le corps ne travaille pas d'une façon fonctionnelle, qui n'est plus en rotation, qui commence à s'arrêter parce que vous voulez essayer de maîtriser la distance et donc du coup moins utiliser le club correctement, ce qui va se passer, c'est que le contact de balle va être énormément varié. Vous allez avoir beaucoup de variations en termes de la régularité que vous allez produire. Et puis, vous n'allez pas produire suffisamment de vitesse pour créer le spin. On a besoin d'avoir de la vitesse. Alors, je ne suis pas en train de vous dire tapez votre sandwich comme votre driver. mais la réalité de la chose, c'est qu'il faut avoir suffisamment de vitesse à l'impact pour pouvoir augmenter le taux de spin. Donc, je vais laisser Guillaume en action. Peut-être nous montrer, Guillaume, est-ce que tu as, je ne sais pas moi, un exercice à nous montrer pour permettre aux joueurs de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leur qualité de contact à l'impact et de vérifier qu'il crée suffisamment de vitesse pour aller chercher ce spin que tous les joueurs amateurs veulent. Oui, bien sûr. Alors, c'est en relation, Lewis, avec la petite vidéo que je t'ai envoyée. Est-ce que tu la passeras tout à l'heure ou est-ce que je la réexplique maintenant? Alors, écoute, si t'es d'accord, tu peux directement peut-être partager le tips maintenant en live? Sans aucun problème. Déjà, la première des choses, c'est que on parle depuis tout à l'heure de wedging, je dirais, et je pense qu'il faut qu'on soit aussi vigilant sur le fait que le wedging, c'est deux choses. À la fois, vous avez des wedges, et c'est pour ça que c'est super important d'avoir plusieurs wedges dans le sac, c'est que vous avez des wedges avec lesquels vous allez faire de la distance. Pour moi, par exemple, un 50 degrés, avec lequel je vais faire à peu près 90-95 mètres. Et vous avez un sandwich avec lequel vous allez faire des coups beaucoup plus en finesse, qui pour moi est un 58 degrés. Donc, je dirais, il y a deux types, quand on parle de wedge, aujourd'hui on était vraiment sur les wedges, il y a deux choses sur lesquelles pour moi il faut qu'on soit vigilant, la distance et le fait de faire quelque chose de plus fin. En 2-3 minutes, je vous propose de vous expliquer comment faire pour chacun des deux. Ça vous va, Lewis? Allez, allez-y. Mathieu, je veux bien que tu te mettes juste en face de moi. Le premier, on va faire, va être un peu là, on va faire ça bien. Le premier va être justement pour faire de la distance. Pour faire de la distance, extrêmement simple. Vous allez quasiment faire le même swing que d'habitude avec deux ou trois petites modifications. La première modification va être de vous placer pour les droitiers un peu plus à gauche, un peu plus en avant. Pour les droites, pour les gauchers inverses, mais en tout cas d'être un tout petit peu plus à gauche pour les droitiers. Et les
Deux autres choses, c'est d'avoir un mouvement beaucoup plus court en montant et au retour, avec beaucoup de stabilité. Ce n'est absolument pas un mouvement où on va chercher à faire beaucoup de distance, où il y aura beaucoup de déplacements, où on va essayer de générer beaucoup de vitesse. On est beaucoup plus ici dans la précision. Donc un peu plus à gauche au départ, un mouvement plus court et plus court. Ce n'était pas la meilleure, mais néanmoins, on va regarder ce qui s'est passé. Guillaume, on te pardonne, hein, ça fait 45 minutes que tu n'as pas tapé une balle, c'est pas facile. Hein. Ah, alors, je vais faire sur tout à l'heure. Ça m'a pas pris la dernière. Excusez-moi. Voilà, donc voilà ce qui se passe. C'était un coup tout à l'heure. J'ai fait 90 mètres. Et voilà ce qui se passe. En posture, je ne sais pas si on voit bien l'écran. Ouais, on le voit pas mal. D'accord. On voit ici, c'est mon pied gauche, c'est le pied droit. On voit que mon pied gauche, j'ai 75% de ma pression à gauche, plus que d'habitude, en posture. Quand je monte, on voit que mon backswing est plus court que d'habitude, un trois quarts de coup. Et quand je suis en haut, j'ai 60% de ma pression à gauche et 40% à droite. D'habitude, je serais venu charger plus à droite. Je cherche à rester à gauche pour être là aussi précis. Et mon finish est plus court. Donc, en gros, je vais faire un swing comme d'habitude, mais plus court en étant plus à gauche, pour faire très simple et gagner en précision. Maintenant, on va faire un coup. On va appeler un coup de finesse. En gros, vous avez 25-30 mètres à faire. Vous êtes au bord d'un green, un par 5 que vous avez loupé en deux, par exemple. Et vous avez besoin de faire un coup qui va être doux. Hyper important que la balle arrive molle sur le green. Ce qu'on ne veut pas sur un, en étant à 30 ou 40 mètres, c'est une balle qui part forte, avec beaucoup d'énergie qu'on ne contrôle pas. On souhaite qu'elle soit, j'insiste là-dessus, douce. C'est un coup de finesse. Pour ce faire, très simple. On ouvre légèrement la phase de club au départ. Parce que tout notre objectif va être de délivrer le plus de loft possible à l'impact. Le club devrait être extrêmement ouvert pour que la balle parte haute et douce. Donc, je vais ouvrir un petit peu mon club. Je vais là aussi avoir la balle un peu plus à gauche que d'habitude et mon poids un peu plus à gauche, ma pression un peu plus à gauche. Et deux objectifs seulement. De sentir que ma face de club va rester ouverte et qu'à l'impact, mes mains et mon manche vont revenir dans la même position qu'au départ. De ne surtout pas avoir des mains en avant, et d'avoir une phase de club qui va arriver très tendance, très descendante, très forte, et qui va partir basse avec beaucoup d'énergie. On souhaite que la balle parte douce avec peu d'énergie. Celle-ci était assez douce. Ah, c'est le coup que je viens de faire. Donc, elle a pitché à 22 mètres. Et mon objectif principal va être qu'au moment de l'impact, mes mains ne soient pas trop en avant. Et on le voit ici, elles le sont allées un tout petit peu trop, mais pas des mains trop en avant, très proche de ma position initiale pour que la balle parte doucement. La deuxième chose que j'ai essayé d'effectuer aussi a été de garder ma face de club ouverte pour sentir que le loft allait être important à l'impact. On le voit bien ici, juste avant de jouer, le loft reste important pour que ma balle parte douce, molle, pour que je puisse la contrôler quand elle arrive au sol. Donc, j'insiste, le wedging, deux choses, soit le wedging pour faire de la distance, soit le wedging pour faire des coups, alors plus long du chipping, mais en tout cas, entre 25 et 40 mètres finesse wedge, à partir de 50 mètres, on va être un peu plus dans le fait de faire de la distance, d'où l'importance d'avoir plusieurs wedges. Guillaume. Fantastique, ouais, très bonne explication. Franchement, je vois Benoît là qui est. Ouais. Franchement, c'est top. C'est vraiment très bien expliqué. Un élément qui est important aussi dans le wedging, et c'est là où je vais apporter mon petit tip, que j'ai tourné en dehors du confinement, bien évidemment, parce que vous allez me voir sur un parcours de golf dans quelques secondes. Et c'est, parce que je vois en fait dans ce que tu réalises, Guillaume, il faut également parler de la neutralité du chemin. Parce que souvent, quand on voit un joueur amateur qui est au wedging, quand il revient trop par au-dessus ou qu'il revient trop par en dessous, ça peut avoir une conséquence énorme sur le contact de balle et le divo. Tu vois, si on revient un peu trop par-dessus avec un angle d'attaque trop descendant, le divo va être beaucoup trop profond. Et moi, ce que je préconise, c'est essayer vraiment d'avoir cette sensation d'arriver, utiliser le bounce, comme a dit Benoît tout à l'heure, vraiment utiliser le bounce de la meilleure façon. Et quand on se retrouve sur une situation clean, sur un fairway, je parle bien quand la situation le permet, c'est de vraiment avoir cette sensation que le club rebondit sur l'herbe pour avoir un divo assez fin. Quand on analyse les joueurs aujourd'hui qui créent un spin contrôlé et les balles arrivent sur le green et s'arrêtent rapidement, c'est les joueurs qui arrivent à créer, quand la situation le permet,
des divots assez fins et pas trop profonds finalement. Et pour ça, j'ai vraiment un exercice que vous pouvez faire même de chez vous. Alors, évidemment, pas avec des vraies balles, mais si vous avez un jardin avec des vraies balles, si vous êtes à l'intérieur, utilisez des petites balles en mousse avec un petit tapis, franchement, ça suffira. Et vous allez voir que l'exercice que je vous propose est pas mal pour créer un chemin de club assez neutre. Le voici. Ok, donc j'ai une approche d'environ 25 mètres à effectuer pour aller chercher le drapeau qui est placé au fond du green. Aujourd'hui, j'ai décidé de sélectionner un 100 wedge avec un loft de 52 degrés pour la faire pitcher entre 20 et 22 mètres et ensuite l'avoir roulé jusqu'au drapeau en espérant que cela me mette à donner. Alors, à travers l'exercice que je vais vous proposer, vous allez avoir besoin de deux boîtes de balles dont je suis sûr que vous avez tous à la maison ou dans votre sac de golf. Et à travers en fait cet exercice, vous allez voir que je vais placer en fait trois balles l'une à côté de l'autre, alors pas forcément collée, mais vraiment juste à côté de l'une et l'autre. Et je vais placer en fait la première boîte de balle à l'extérieur de la troisième balle, donc la balle qui est le plus loin de moi, et ensuite l'autre boîte de balle à l'intérieur de la balle qui est le plus proche de moi. Maintenant, je vais enlever la balle des deux extrémités pour ensuite retrouver uniquement la balle au milieu. Et vous allez voir que je me suis créé un petit chemin. Ok, maintenant parlons un peu de la problématique chez les joueurs qui connaissent un manque de régularité et un manque de performance au niveau du petit jeu. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on voit des mains qui sont beaucoup trop actifs. Alors, cela ne me dérange pas que vous utilisez les mains, les poignets sur ce type d'approche-là avec le 100 wedge, mais il faut les utiliser de la bonne façon. Trop souvent, je vois des joueurs amateurs qui ont tendance à enrouler les poignets pour voir le club qui arrive trop à l'intérieur. Et à partir de là, ce qui va se passer, c'est que vous allez revenir, soit vous allez revenir par-dessus pour compenser, toucher la boîte de balle qui se situe à l'extérieur, ou soit vous allez rester là, revenir trop de l'intérieur, et là, vous allez toucher la boîte de balle qui se situe ici. Vice-versa, je vois des joueurs qui ont tendance à monter la canne à l'extérieur de la ligne de jeu de cette façon-là et à partir de là, bam, vous allez toucher la boîte de balle à l'extérieur. Donc dans les deux scénarios, vous allez avoir un feedback immédiat et instantané pour vous indiquer dans quelle situation vous vous trouvez, dans quel système vous êtes aujourd'hui. Et puis, vous allez surtout voir un exercice qui va vous permettre de créer un couloir pour créer beaucoup plus de neutralité au niveau du chemin de club et au niveau du plan du swing. Moi, ce que j'aime voir au niveau de ces approches-là, c'est que la tête de club reste à l'extérieur des mains au niveau de la montée et également au niveau de la traversée. C'est vraiment l'idée que j'ai quand j'effectue cet exercice. Et le fait d'utiliser deux boîtes de balles pour avoir un feedback instantané, c'est vraiment excellent. Alors, essayons l'exercice. Alors, dans un premier temps, juste pour vous habituer un petit peu, vous pouvez faire trois coups d'essai que la prochaine fois que vous arrivez au petit jeu, vous placez les deux boîtes de balles. Vous faites trois coups d'essai juste pour vous permettre de vraiment swinger le club à l'intérieur de ces deux boîtes de balles. D'accord? Et à partir du moment où vous sentez assez à l'aise, donc en général, c'est trois coups d'essai. À partir de là, vous essayez avec la balle qui est vraiment placée parfaitement au milieu des deux boîtes et on y va. Essayez cet exercice la prochaine fois que vous allez vous entraîner au petit jeu. Je suis sûr que cela va vous aider. Voilà, alors petite astuce que j'ai tournée, évidemment, je le rappelle, en dehors du confinement, parce que je me trouvais dans la vidéo à l'île Maurice. Donc, je n'étais pas tout à fait dans mon appartement parisien. Mais voilà, l'exercice, elle a été tournée spécifiquement pour le petit jeu. Mais d'avoir ces deux boîtes de balles et taper en fait à l'intérieur de ces deux boîtes de balles, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire pour le wedging également. Donc, ça va améliorer votre petit jeu et vous pouvez aller à des distances jusqu'à 50, 60 mètres et vous entraîner à utiliser, à synchroniser ce que Guillaume vous a expliqué juste avant avec aussi un petit exercice pratique à mettre en place de chez vous. Alors, je vais laisser la parole de la fin avec Guillaume. On va parler un tout petit peu maintenant sur un élément qui est tellement important avant de finir le Facebook Live, gérer les différentes distances avec vos wedges. Donc, Guillaume, comment est-ce que tu t'organises? Comment tu fais? Comment est-ce que les amateurs peuvent bénéficier de tes conseils? Déjà, de faire le plus simple possible. Et je dirais, il y a plusieurs méthodes qu'on va très rapidement évoquer avec vous. Malheureusement, on avait plein de choses à vous dire, mais ça va vite. Il est déjà 15h05 et on doit malheureusement laisser rapidement l'antenne. Mais on va essayer de faire simple parce que c'est une des questions les plus importantes, en tout cas, que vous nous posez le plus souvent, c'est comment je fais pour travailler mes différentes distances. Hyper simple. Déjà, il faut le travailler, ça c'est important, parce que souvent les gens nous demandent, mais ils ne le travaillent pas assez, et de manière très simple. L'idéal est d'être, alors l'idéal, évidemment, est d'avoir un trackman. Ça c'est absolument génial. Mais on va faire sans le trackman. L'idéal est d'être à deux, et de vous positionner, des sauts, practice, positionner n'importe quel moyen pour déterminer les distances et surtout primordial de vous entraîner, si vous le pouvez, depuis l'herbe avec des vraies balles. Ça, c'est très important. Ensuite, deux ou trois moyens de gérer différentes distances. La plus simple,
essayez de trouver dans votre swing deux repères d'amplitude. Par exemple, pour moi, c'était en général le bras gauche parallèle au sol et les mains au niveau de l'épaule. Deux amplitudes. Si ensuite vous avez trois clubs, à savoir pour moi le 58, le 50, le pitch qui est en 45, j'ai trois clubs, j'ai deux amplitudes, ça me donne six distances. Avec six distances, je suis le roi du monde. Après, sur le parcours, si vous n'avez pas la distance exacte que vous aviez l'habitude de faire, vous vous débrouillerez pour augmenter un peu ou diminuer l'amplitude, mais en tout cas, vous aurez un repère pour six distances. Deux amplitudes, trois clubs. C'est, selon moi, la méthode la plus simple pour travailler, c'est-à-dire pas de déterminer des cibles sur lesquelles vous pouvez arriver, mais d'avoir vos propres repères à vous, que vous modifierez très légèrement si sur le parcours, ce n'est pas la distance exacte, mais de créer vos repères à vous. Deux amplitudes, trois clubs. Je pense que c'est le plus simple. Après, il y a des gens qui aiment travailler, donc ça, c'est une deuxième méthode, avec, je dirais, des cibles au sol et de, pour chaque distance, d'avoir leurs repères. C'est une autre solution aussi, qui, à mon avis, est un peu plus compliquée, mais c'est une autre solution. Si vous voulez vraiment affiner le travail, on en avait parlé avec Grégory Avray ici même l'année dernière, d'ailleurs avec Lewis, qui lui va encore plus loin à très haut niveau, c'est-à-dire il a ses différents repères, ses différents clubs, et ensuite pour affiner, il joue sur la hauteur des mains sur le grip, pour affiner encore la distance. Ça c'est vraiment un exemple qu'on donne pour les joueurs professionnels. Et pour finir, le meilleur exercice, mettez-vous en situation, des bonnes balles, un fairway, dans des conditions de jeu classiques, un ami, une Bushnell, des sauts pour vraiment savoir quelle distance vous faites avec chaque club, deux amplitudes, trois clubs, six distances, répétez-le de manière régulière et on vous garantit que vous gagnerez des points. Guillaume, ça c'est vraiment top et c'est vrai qu'une question qu'on me pose aussi souvent, c'est Lewis, est-ce que je dois m'entraîner au wedging sur l'herbe ou sur le tapis? Bien évidemment, on va leur répondre toujours sur herbe, c'est mieux. Si vous le pouvez. Si vous pouvez, mais. On préfère, excuse-moi, Lewis, on préfère sur le tapis que rien du tout. On préfère, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'on. Évidemment, on va conseiller toujours l'herbe si possible, mais dans la majorité des cas des golfs, il n'y a pas beaucoup de golfs en France qui proposent malheureusement le taper sur herbe, mais c'est, voilà, c'est tout à fait compréhensible. Donc, sur tapis. Moi, ce que je préconise, et tu me dis si tu fais pareil, c'est peut-être poser une serviette derrière la balle pour encourager un bon contact de balle et nous permettre de travailler sur tapis avec du feedback instantané. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand on tape sur tapis, l'amateur n'est pas suffisamment expérimenté pour comprendre la différence entre une balle qui est très bien contactée et une balle qui est légèrement grattée. Donc, une chose qu'on pourrait peut-être rajouter à ça aussi quand vous travaillez sur les différentes amplitudes, c'est de vérifier que vous travaillez avec du feedback immédiat, une petite serviette. Il y a des outils pédagogiques aussi qui existent pour vous permettre de caler quelque chose derrière la balle et de favoriser toujours un contact balle-terre. Et ça, c'est une des clés aussi pour pouvoir gérer les différentes amplitudes parce que, comme tu le sais, Guillaume, quand la balle est contactée ou quand le club entre en contact avec le sol 2 à 3 cm avant la balle, on peut perdre beaucoup de distance. Absolument. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu dis. Avant même d'essayer d'avoir, de mesurer vos distances, la priorité est que vous travaillez au practice sans aucune consigne de distance des différentes amplitudes et que vous répétiez cette première amplitude, je dirais pour moi qui était bras gauche, deuxième amplitude qui est les mains au niveau de l'épaule droite, et de répéter ça un nombre de fois important pour que ça soit intégré. Et ensuite, dès l'instant où, avec cette amplitude, et comme tu le disais très justement, des bons contacts, vous sentez que c'est en place, vous pouvez aller sur le parcours ou dans des conditions de jeu plus classiques pour mesurer vos distances. Mais dans un premier temps, je suis tout à fait d'accord avec toi, en un, de bien travailler votre mécanique pour qu'elle soit juste. À partir de là, vous pourrez vraiment travailler sur vos habiletés pour générer et pour gérer les différentes distances. Messieurs, ça fait exactement une heure pile qu'on est en direct. Donc voilà, mais c'était un plaisir fou. Et c'est vrai qu'évidemment, comme l'a dit Guillaume il y a quelques instants, on pourrait continuer pendant un long moment. On a beaucoup de choses. Des heures. Choses à dire, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais c'est ça aussi la beauté de notre sport, c'est qu'il y a tellement de variabilités sur lesquelles on pourrait aborder, c'est fantastique. Mais en tout cas, on espère qu'à travers ce direct, à travers ce direct, on vous a apporté les éléments clés, les choses, les éléments essentiels qu'il faut savoir pour déjà aller prendre beaucoup plus de confiance à jouer nos wedges, comment choisir votre wedge correctement. Et si vous venez de vous connecter au live et que vous avez
ou peut-être que vous avez écouté les consignes de Benoît et vous avez toujours des doutes, je sais que vous proposez également, Benoît, un site éducationnel où les gens peuvent se connecter et ils peuvent, à travers une personnalisation, choisir en fait leur... ça, je le fais rapidement, mais je sais qu'il y a un moyen d'aller rentrer son handicap. Donc là, par exemple, je rentre l'handicap de 15. Je vais à la prochaine question. Là, c'est quel est votre pitching wedge. Donc là, je vais mettre 48, prochaine question. Et donc, à travers cette partie éducation, vous proposez un système pour permettre aux golfeurs de comprendre et de les aider à mieux choisir leur wedge aussi. Donc ça, c'est absolument fantastique. Benoît, un petit mot de la fin pour notre audience qui a participé à ce live avec nous. Merci de votre attention. Prenez soin de votre matériel. Faites votre fitting et surtout, espérons qu'on puisse revenir sur les parcours rapidement pour tester tout ça. C'est vrai. Guillaume ? Rien à ajouter. Merci une fois de plus de votre attention. Demain, j'aurai la chance à 14h d'avoir avec moi, en live, Alexander Lévy, qui va nous parler un petit peu de son confinement, de son golf. Donc, je pense que ça va être extrêmement intéressant. Une des figures extrêmement sympathiques, vraies du golf français. Donc, on vous espère nombreux à 14h. Après, bien évidemment, l'intervention de Lewis demain matin à 11h. Et à 17h ce soir, intervention absolument géniale de Rémi Bedu sur les plus grands coachs du golf, les plus grands coachs de notre sport. Donc, on va regarder ça avec attention ce soir. Et on vous espère nombreux là aussi. Ouais, c'est ça. Grâce au Journal du Golf, on vous propose des lives tout au long de la journée et la semaine. On a également Cyril Leguazigo, qui est notre intervenant sur la préparation physique, qui sera là le week-end et le mercredi. Donc, vraiment, ce qu'on essaie de faire, ce matin, j'ai fait un Facebook live sur la nutrition. Là, on fait sur le wedging. Toutes les thématiques, chaque jour, on aborde un thème qui est directement lié à la performance. On fait ces Facebook Live pour vous. Si vous avez apprécié, mettez-nous un petit coup de pouce, appuyez sur le bouton like ou j'aime sur Facebook et partagez cette vidéo avec vos amis. Respectons le confinement, ça va durer encore un petit moment. Comme l'a dit Benoît, on est tous impatients d'aller retrouver les fairways. Mais pour être en sécurité, on doit rester chez soi. Mais ce n'est pas parce qu'on reste chez soi qu'on doit arrêter de progresser et arrêter d'apprendre. Donc, c'est pour ça qu'on vous apporte tout ce contenu. Et c'est pour ça que Benoît, on te dit un énorme merci à toi d'avoir participé en tant que notre invité. Merci à vous, les gars. Aujourd'hui, sur notre live. Merci à vous. Et puis, Guillaume, on se retrouve demain à 14h avec Alexander Lévy. On a les joueurs du Tour européen qui répondent de plus en plus présents. Cette semaine, on a eu Greg Avray, Antoine Rosner, Alexander Lévy demain. La semaine prochaine, on a d'autres surprises à vous annoncer. On a d'autres joueurs qui vont venir nous rejoindre. Donc, de belles surprises. Voilà, tout le monde du golf, tous les acteurs du golf participent à ces lives pour vous permettre de vivre le confinement de la meilleure façon possible. Tenez-vous bien, je vous souhaite à tous une excellente journée. Encore un grand merci à Guillaume et Benoît et à toute l'équipe du Journal du Golf qui nous soutiennent derrière, dans les coulisses, hein, qui nous regardent. Et puis on se voit très rapidement. Merci beaucoup. Merci à vous.